Comment faire de la germination de graines de brocoli et de graines de radis noir? Eh bien, je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Caroline Liberge et si vous cherchez à comment savoir faire de la germination de graines de brocoli ou alors de graines de radis noir chez vous, alors bienvenue sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler de graines de germination de brocoli bio. Et ensuite, nous avons les graines de radis noir qui sont là à faire en germination. Petite présentation des graines de radis noir. Petite présentation des graines de brocoli. Bon, voilà le type de bac que j'utilise pour faire ma germination. Donc ce type de bac, bah, vous pouvez le trouver, vous savez, dans un grand magasin, là, un grand truc jaune, de couleur jaune et bleu. Ils sont suédois et ça commence leur nom par un I, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez aller soit en magasin ou alors par le biais de leur site internet. Donc pour ce faire, vous avez donc un bac ici où on remplira d'eau à l'intérieur. Ici vous avez un plateau qui se met comme ça où vous mettrez par-dessus vos graines de soja. Et puis pour le recouvrir, vous avez le couvercle qui se met comme ça. Ça marche très très bien. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà le bac rempli d'eau. Donc, de préférence en eau, utilisez plutôt une eau de source ou une eau de pluie. D'accord ? Évitez quand même de préférence l'eau du robinet parce qu'elle est traitée. Et franchement, pour bon, de la germination, je trouve pas ça terrible, quoi. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu le repère, le niveau, il est ici avec un indice, il y a marqué 1. Donc voilà, n'utilisez pas plus d'eau, ça ne sert à rien pour la germination. C'est votre niveau maximum. Donc là, je viens d'insérer le plateau de germination donc, qui se trouve ici, dans le bac principal qui est là. Avec de l'eau, donc en dessous toujours au niveau 1, qui est votre niveau maximum, que vous ne devez pas dépasser. Alors on peut voir ici, si vous voyez, un petit peu, quand j'appuie, ça flotte légèrement dans l'eau, mais il y a des supports en dessous qui permettent justement à ce que le plateau de germination ne vienne pas s'immerger dans l'eau. Donc là, en l'occurrence, je vous montre des graines qui n'ont rien à voir avec des graines de soja. C'est des graines ici de brocoli, graines de germination. Et là, nous avons du radis noir. Voilà. Donc, mais le principe est exactement le même pour les graines de soja. Aujourd'hui, donc, je vous montre une vidéo sur ma germination de brocoli qui se trouve ici, donc des graines. Avec des graines de radis noir. Donc voilà, au préalable, ces graines-là, les deux, vous faites un trempage dans de l'eau de source ou de l'eau de pluie entre 4 à 6 heures, d'accord ? Entre 4 et 6 heures. Une fois que le trempage est fait, eh ben, vous les prenez et puis vous les mettez à disposition sur votre plateau à germination. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ça fait quoi ? 2-3 heures que je les ai mises. Donc, voilà. Alors, premier jour de germination donc des graines ici de brocoli. Et là, on a du radis noir. Deuxième jour de graines de germination. Alors, nous avons ici donc du radis noir, graines de radis noir. On voit ici un petit peu légèrement que ça commence un petit peu à pousser, ça sort en blanc. Et ici, on a les graines de brocoli. Alors là, pareil, on voit que ça commence à bien germer quand même. Ici. Voilà, pensez à arroser un petit peu de temps en temps, dès que vous voyez que c'est pas trop mouillé, humide.
mais dans l'ensemble, ça reste quand même assez humide. Troisième jour de germination. Quatrième jour. Cinquième et dernier jour. Alors là, franchement, on voit que ça a bien poussé. Et les pousses là. Ça, c'est les graines de brocoli. Ici, on a le radis noir qui a poussé un petit peu moins vite, mais qui a poussé quand même. Alors voilà les graines de germination. Donc là, on a ici du brocoli. Et là, on a du radis noir. Donc c'est la première fois que je vois ça. Et que je le fais surtout. Aussi. Et j'avoue, c'est très original et c'est assez sympa. Voilà, donc ce genre d'aliments, bah vous pouvez le mettre par exemple dans une salade. C'est un complément alimentaire, on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc c'est très bon pour la santé. Donc là, je répète, hein, brocoli ici et radis noir là. Donc on est sur des pousses, hein, on est sur de la germination. Voilà. Assez satisfaite de mon travail après 5 jours de pousse. Alors, comme vous pouvez voir sur cette vidéo, je suis en train de vous présenter donc des graines de germination de brocoli et de radis noir. Voilà, donc là, elles sont prêtes à être dégustées. Et je vais vous montrer maintenant ma petite salade que je me suis préparée de saison. Voilà, donc là, on est en période de printemps. Donc, il y a plein de bonnes choses à manger. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas tout vous énumérer, mais un petit peu l'essentiel, on va dire. Donc là, on a mes graines de germination hein, qui sont là, de brocoli et de radis noir. Voilà, ici, de saison, nous avons les petites marguerites qui sont là. Voilà, donc ça se mange, hein, les amis. Il n'y a aucun problème, c'est très bon pour la santé. Et puis, bon, on a les asperges, on a un petit peu de lentilles, des pois cassés aussi, des radis, des carottes, de la salade, etc. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un petit peu des idées pour vous faire une bonne salade. J'espère vous avoir aiguillé un petit peu en vous apportant des conseils sur l'apprentissage de la germination à faire chez vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir un petit peu comment ça se passe chez vous par rapport à votre apprentissage. Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que ça se passe pas bien? Voilà ce que je veux savoir. Laissez-moi un commentaire sur si ce qui va bien dans votre germination. Et si tout va bien, eh ben moi je vais bien. Bon, après ce petit bug d'avant, là, de drôlerie, bref, excusez-moi, hein, un petit peu d'humour de temps en temps, ça fait pas de mal. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur l'hydroponie, n'hésitez pas à aller voir ces petites images qui sont là sur l'écran. Ou alors, vous pouvez carrément aller sur ma chaîne, vous allez dans la playlist où il y a marqué « Culture », vous cliquez dedans et vous aurez tout. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait très plaisir. Faites attention à vous, portez-vous bien, pratiquez du vélo, attention. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !